Bon, je pense que vous en doutez, on va parler pneus. Salut tout le monde, c'est Matt. Cette semaine, on va aborder un point qui revient très régulièrement, hein, que ce soit dans les commentaires sur mes vidéos, en message privé sur Facebook, Twitter, Instagram, ou même carrément, hein, dans les groupes Facebook qu'on va retrouver en rapport avec le milieu trail moto. C'est vraiment une question qui revient tout le temps. C'est comment bien choisir ses pneus pour son trail? Quels sont les meilleurs pneus trail, en fait, disponibles sur le marché? Eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question, mais plutôt les bonnes questions à se poser pour pouvoir bien choisir. Donc, bien entendu, cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui débutent en tout terrain, aux personnes qui veulent changer de pneumatique pour leur trail, mais qui n'y connaissent pas forcément grand chose. Vraiment, mon objectif, c'est de vous aider en fait à faire le bon choix et à bien comprendre la démarche pour faire la bonne sélection de pneus en fonction de votre usage. Et évidemment, les experts du sujet des pneus trail ne vont rien apprendre au travers de cette vidéo. Donc, ce cher Jean-Bernard Émile de la Bruyère, dont j'aime souvent parler, qui sait tout sur tout et qui a déjà fait 25 fois le tour du monde, eh bien, s'il a quelque chose à apporter, qu'il n'hésite pas à l'ajouter en commentaire de cette vidéo pour enrichir le contenu plutôt que juste de dire que ça n'apporte rien pour lui. Sur ce, je vous propose d'attaquer directement le sujet afin d'éclairer un petit peu plus votre lanterne sur ce choix souvent cornélien. C'est parti. Alors déjà, éclaircissons un premier point, qu'est-ce qu'un pneu off-road? Puisque on parle souvent de pneus off-road pour les trails, il y a des pneus off-road qui sont très très variables en termes de performance, il y en a qui sont vraiment pensés pour le tout-terrain pur, d'autres qui sont pensés purement pour la route, mais le point commun en fait à tous ces pneus, c'est qu'ils sont en fait plus robuste que les pneus routiers classiques, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir rouler dans des environnements beaucoup plus agressifs, donc que ce soit des cailloux, du sable, ce genre de choses, et justement ça va éviter une usure prématurée de votre pneu dans ce genre de conditions. Après, parmi tous ces pneus trail, on va avoir des pneus qui vont être purement routiers, donc ça va être les 0% ou les 10% off-road, et après on va avoir des pneus ultra off-road, vraiment pas du tout pensés pour la route, avec des pneus qui vont monter jusqu'à 90% en niveau off-road. Et vous allez voir que même si vous mettez un pneu 10% off-road dans un chemin, bah, il va être beaucoup plus résistant qu'un pneu route classique. Donc par exemple, vous mettez un Michelin Anaki Adventure que je suis en train de tester en ce moment face à un Michelin Road 5 pour garder la même marque, hein, pour voir une concurrence similaire, bah, vous allez voir que votre Road 5, il va s'exploser super vite si vous roulez un petit peu en chemin avec, alors que votre Anaki Adventure, bah, ça lui fera pratiquement rien de rouler dans ce genre de conditions. Seconde question qui peut revenir régulièrement et qui souvent préoccupe les gens, c'est est-ce que ça change quelque chose sur la route de passer justement sur des pneus off-road? Et bien là aussi, tout dépend du niveau de pourcentage off-road que vous allez prendre sur vos pneus. Typiquement, si vous prenez un pneu qui est 10-20% off-road, on est vraiment sur un pneu routier, ça va changer pratiquement rien sur la route. Vous aurez pratiquement le même confort qu'un pneu routier classique. Vous aurez peut-être des petits bruits à certains niveaux de vitesse, mais vraiment, globalement, vous n'allez pas du tout sentir la différence. Et pareil, en termes de performance sur le sec ou bien sur le mouillé, on va vraiment être très très bon avec un pneu 10-20% off-road. Et pareil pour la mise sur l'angle, l'accélération, la traction, le freinage, avec des pneus 10-20% off-road, 30% off-road à la rigueur, vous allez vraiment absolument pas sentir de différence par rapport à un pneu routier. Donc si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de choses et que vous faites que de la route, ça peut typiquement bien fonctionner. A l'inverse, si on commence à basculer sur des pneus vraiment très agressifs avec des gros crampons, hein, comme vous pouvez le voir par exemple avec ce pneu là, le Mitas E13, là, on va commencer vraiment à sentir des différences sur route. Donc déjà, vous le voyez, la surface adhérente au sol, elle est quand même beaucoup plus faible que sur un pneu 10-20% off-road. On est sur des vrais crampons. Donc bien entendu, bah, vous allez sentir beaucoup plus de vibrations dans votre guidon, sans non plus que ce soit horrible et que ce soit le vibromasseur à chaque fois que vous allez bouger, hein. Mais vraiment, vous allez quand même sentir un petit peu plus de vibrations. Il faut être honnête sur le sujet. Personnellement, je trouve ça totalement supportable parce que j'ai un niveau de tolérance assez fort sur le sujet. Donc ça ne me dérange pas sur autoroute d'avoir un petit peu plus de vibrations. Également, avec ce genre de pneus, bah, ça va aussi changer les conditions de roulage, notamment quand vous allez rouler sur pluie. Quand vous allez rouler donc sous la pluie, généralement, ces pneus-là, ils vont avoir tendance à glisser un petit peu plus. Donc si vous accélérez comme un goré ou si vous freinez comme un goré, ils vont beaucoup plus facilement glisser que des pneus 10%, 20% off-road. Sinon, bah, si vous roulez sur le sec, personnellement, je ne sens pas vraiment de différence, en tout cas en termes de performance de freinage et d'accélération. Ça tient généralement bien le pavé, même avec des crampons. Donc là-dessus, il ne faut pas vous faire de soucis. Et si vous roulez sous la pluie, il faut juste adapter votre conduite en roulant beaucoup plus souple et en anticipant beaucoup plus ce qui va se passer sur la route. Et dernier détail à savoir sur les pneus vraiment à gros crampons, c'est le comportement routier. Généralement avoir une mise sur l'angle beaucoup plus forte parce que les pneus vont être vraiment taillés en V. Donc on va avoir la moto qui va généralement pencher beaucoup plus facilement et qui va être un petit peu plus difficile à relever. Mais bon, personnellement, quand vous roulez normalement, il n'y a aucun souci. C'est sûr que les gens qui font de la route en mode virage style rallye routier, ils vont clairement le sentir. Mais si vous roulez aux allures qui sont autorisés en France, globalement, ça va pas spécialement vous poser de problème. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ça dépend de votre niveau d'adaptabilité sur le sujet, votre niveau de tolérance, bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais pour ça, rien de mieux que d'essayer pour en avoir le cœur net si ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Donc vous l'avez compris, hein, au niveau des changements de comportement sur route, là aussi, ça dépend énormément du type de pneu que vous allez prendre, soit un pneu assez léger niveau agressivité off-road ou très agressif en comportement off-road. L'autre détail aussi à savoir, c'est est-ce que je peux rouler avec un pneu avec un indice de vitesse différent de celui autorisé sur ma moto?
La réponse est oui, mais sur certaines conditions. En tout cas, de ce que j'ai pu étudier personnellement sur le sujet, globalement, si vous prenez des pneus à crampons, vous allez voir que la plupart du temps, vous trouverez jamais des pneus à crampons avec des indices de vitesse super élevés comme ça peut être le cas avec vos pneus d'origine sur votre moto. L'astuce pour pouvoir rouler avec des pneus à crampons avec un indice de vitesse inférieur à celui autorisé sur votre moto, c'est de prendre des pneus qui ont l'homologation M plus S, ce qui veut dire en fait Mud and Snow. Donc globalement, ça veut dire que ce sont des pneus qui ont des aptitudes pour pouvoir rouler dans la boue et la neige. Après, vous allez voir qu'il y a certains pneus, ils ont du M plus S, mais ils sont pas du tout vraiment aptes à rouler dans la boue et la neige. Je pense notamment au Continental TKC 70 que j'avais déjà testé il y a quelques mois, voire même quelques années maintenant. Ils ont l'homologation M plus S, ce qui vous permet comme ça de prendre des pneus avec un indice de vitesse inférieur à celui de votre machine. Mais pour autant, quand vous voyez le dessin de ces pneus, vous les mettez dans la boue et la neige, c'est clairement la patinoire. A l'inverse, quand vous commencez à prendre des pneus avec des crampons, donc à partir de 50% off-road, là vous allez avoir des pneus généralement qui ont des indices de vitesse aussi inférieurs aux vôtres, mais avec cette homologation M plus S, vous allez justement pouvoir rouler avec ça sans forcément être embêté par votre assurance. En tout cas, moi c'est le cas au niveau de mon assurance, je suis au CIC et c'est ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'avec l'homologation M plus S, ça permet de rouler avec des pneus qui vont moins vite que d'habitude. Et si vous regardez sur internet, vous allez voir que globalement c'est le même raisonnement. Bien entendu, peut-être qu'il y a des exceptions au niveau de certaines assurances, donc validez peut-être avec votre assureur si vraiment ça vous inquiète. Mais bon, personnellement, je pense pas que ça pose spécialement de soucis de rouler avec des pneus un petit peu différents par rapport à ceux d'origine. Faites tout de même attention parce que certains pneus ont des homologations de vitesse maximum vraiment très très faibles. Il y en a, ça monte à 140, 160. Donc si vous avez envie de vous taper une petite pointe, c'est pas spécialement gênant, mais il faut quand même faire attention de pas rouler à des vitesses démesurées avec ces pneus-là. C'est quand même globalement des pneus qui sont pensés pour rouler à des vitesses de 120, 130 km/h grand maximum. On va pas essayer de rouler à des vitesses de dingue avec ce type de pneumatique. Concernant cette homologation M plus S, il faut savoir que tous les pneus off-road n'ont pas cette homologation. Je pense par exemple au Mitas E13 que j'utilise sur ma Tiger 800 en pneus avant. Ils n'ont pas cette homologation, donc théoriquement, j'ai pas le droit de rouler avec ça. Mais bon, voilà, j'accepte la part de risque qu'il peut y avoir parce que ce pneu me procure quand même pas mal d'avantages en tout terrain. J'ai déjà fait le test, donc je vous remettrai les liens des pneus que j'ai testés en descriptif de cette vidéo si vous souhaitez voir un petit peu tous les pneus que j'ai déjà essayés à ce jour. Mais bon voilà, je suis conscient du risque et je fais vraiment attention en fait en conséquence. Je m'amuse pas par exemple à rouler à 160, 170 avec ce genre de pneus parce que je sais qu'il y a un risque qu'ils ne tiennent pas la charge. Et si typiquement j'ai un accident avec un pneu en roulant à cette vitesse là, forcément mon assureur il va dire vous avez déconné, vous avez pas fait attention et vous avez pas pris un pneu adapté en conséquence. Donc bien entendu, je fais attention à ma vitesse, je fais attention à comment je roule et je fais attention aux autres. Dernier point à clarifier avant de parler vraiment du sujet du choix des pneumatiques purs, c'est une question là aussi qui revient très souvent, c'est l'information TTTL qu'on voit sur les pneus. Donc qu'est-ce que c'est que cette information? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des montages? Est-ce que ça a des avantages et des inconvénients chacun de ces modèles-là? Eh bien vous allez voir que là aussi, il y a pas mal d'informations à savoir. Donc déjà, TTTL, qu'est-ce que ça veut dire? TT, ça veut dire tube type, donc pour des pneus à chambre à air. Et TL, ça veut dire tubeless pour des pneus sans chambre à air. Et au niveau du montage, il faut savoir que des pneus TT, donc des pneus avec chambre à air, ne peuvent être montés exclusivement que sur des pneus à chambre à air. Parce que si vous les montez sur des pneus qui acceptent habituellement que du tubeless, ils sont pas du tout assez rigides en fait pour pouvoir supporter ce type de pneus et donc ils vont pas forcément parfaitement bien se coller comme ça peut être le cas avec des pneus tubeless. A l'inverse, des pneus tubeless peuvent tout à fait être montés sur des jantes à chambre à air. Par contre, il faudra bien entendu laisser la chambre à air dans le pneu parce que au niveau des rayons, ça fuite, c'est pas étanche, donc ça, forcément ça va laisser passer l'air. Mais le gros intérêt de monter des pneus tubeless sur des jantes tube type, c'est que ça vous offre ainsi un panel de modèles de pneus disponibles beaucoup plus important, parce que c'est un peu ça l'inconvénient des pneus tube type, c'est que globalement, il y a quand même pas énormément de références disponibles si on compare ça au nombre de références disponibles en pneus tubeless. Donc voilà, maintenant je pense que vous avez compris tube type, tubeless qui peut être monté et ne pas monter en fonction des jantes, donc faites quand même bien attention avant, c'est écrit sur votre pneu d'origine si c'est du TT ou du TL, donc voilà, au moins vous savez ce qu'il faut faire. Au niveau des avantages et des désavantages de chacun de ces modèles, donc déjà les pneus tubeless, vous l'avez compris, le gros avantage c'est la gamme et la disponibilité de référence qui est actuellement sur le marché. Il y en a énormément de modèles, donc ça c'est vraiment super intéressant pour faire votre choix, il y a beaucoup plus de possibilités. Par contre, si vous montez du tubeless sur du tube type, généralement les carcasses sont assez rigides puisqu'à la base elles sont prévues pour des pneus sans chambre. Donc c'est plus dur à monter si vous voulez commencer à les monter vous-même. Avec les démonte-pneus, etc., c'est quand même beaucoup moins pratique à monter. Il y a même des pneus qui sont réputés pour être hyper durs à monter. Je pense notamment aux Mitas, les Mitas E09 et E07. Ils ont des carcasses super dures.
Donc le gros avantage de ces carcasses hein, sur ces pneus tubeless, c'est que comme elles sont super rigides, ça apporte quand même une bonne longévité. Donc ça c'est intéressant et ça vous permet quand même de pouvoir rouler un peu, même si vous avez une petite crevaison, donc c'est quand même plus sympa en termes de longévité. Et pour les pneus tube type, donc à chambre à air, bah là vous l'avez compris, ils sont généralement plus mous, donc ils sont beaucoup plus faciles à monter sur des jantes à rayons. Donc si vous avez des démonteux pneus et que vous devez changer votre pneu tout seul dans la pampa, c'est quand même beaucoup moins merdique de devoir le faire quand on a des pneus tube type sur des jantes à chambre à air. Et l'inconvénient majeur des pneus tube type, bah vous l'avez compris, hein, c'est la disponibilité et le panel de modèles disponibles qui est quand même beaucoup plus restreint que sur les pneus tubeless. Donc voilà, c'est un choix. Après, si vous avez trouvé un pneu que vous adorez, bah c'est super. Mais c'est vrai que globalement, on trouve quand même beaucoup plus de pneus tubeless. Et c'est pas pour autant qu'il faut vous priver de les monter sur vos jantes à rayons. Moi par exemple, sur ma Tiger, bah, vous voyez, j'avais précédemment monté donc des pneus Mitas E13 et Mitas E09 qui sont ici. On est sur des tubeless, ça va sans problème puisqu'il y a les chambres à air. Et là, les Anaki Adventure que je suis en train de tester, là aussi on est sur des pneus tubeless que j'ai montés sur mes jantes à rayons avec les chambres à air. Et ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Attaquons maintenant donc le gros du sujet, à savoir le choix du modèle de pneus pour son trail. Et là, vous avez dû sûrement vous rendre compte qu'il y a une gamme absolument ultra large hein, de modèles disponibles sur le marché. C'est assez impressionnant et c'est une grosse jungle en fait pour se repérer. Et déjà, nous, ce qu'on a fait avec mon pote Stéphane sur mon site Motard Adventure, c'est qu'on a listé absolument tous les pneus trail qui existent sur le marché en les classant par leur pourcentage de niveau off-road. C'est ce qu'on appelle la bible du pneu trail. Donc, je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez y jeter un œil. Comme ça, vous allez retrouver absolument tous les modèles. Et pour chaque modèle, on référence les tailles qui sont disponibles, donc ça vous permet comme ça de voir si un pneu en fonction d'un pourcentage de niveau off-road qui vous intéresse est disponible dans les dimensions de votre moto. Forcément, comme on a le nez très souvent dans cet article, on commence à avoir une vue assez macroscopique hein, sur le sujet, donc on a quand même pas mal de prises de recul. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que si vous avez des roues en 21 pouces et en 18 pouces, c'est là où vous aurez vraiment le plus de choix disponibles en termes de modèles pour pneus trail. Bien entendu, du 21 pouces à l'avant et du 18 pouces à l'arrière, c'est globalement les modèles vraiment typés enduro dual sport qui vont avoir ce genre de choses. Donc je pense par exemple à la Husqvarna 701, la KTM 690 enduro, mais pas forcément les trails classiques. La plupart des trails, vous allez voir, ils sont souvent en 21 pouces à l'avant, 90-90-21, et l'arrière, il est très souvent en 17 pouces, donc 150-70-17. Et là aussi, vous allez voir que c'est pas spécialement handicapant d'être en 21-17, vous allez avoir pratiquement toutes les références. Le seul moment où ça peut être handicapant d'avoir des pneus en 21 et 17 pouces, c'est quand vous souhaitez vraiment des pneus ultra bourrins pour le tout-terrain, donc genre des 90-95% off-road. Mais typiquement, ces pneus-là, je vous les conseille pas forcément parce que là, pour le coup, c'est vraiment hyper agressif sur route. Et là, le niveau d'adhérence est quand même pas au top. Par contre, en off-road, c'est juste des monstres, hein, c'est des rails, des trucs. Mais bon, l'objectif quand même avec un trail, c'est d'essayer de trouver un compromis adapté pour la route et en même temps pour le tout-terrain. Donc je vous conseillerais plutôt de partir sur des trucs un peu moins que du 90% off-road. Les seules motos qui vont être le plus désavantagées au final dans la gamme de choix de pneus trail, bah ce sont les big trails, hein, tous les gros trails en 1000 cm3, 1200, qui vont avoir des roues donc de 19 pouces à l'avant, donc des roues plus petites, beaucoup plus larges déjà que des roues de 21 en 90, et surtout qui vont avoir des gros gommards en 17 pouces à l'arrière qui sont limite des pneus routiers tellement ils sont gros. Et là pour le coup, bah, ces motos-là, le choix va être quand même beaucoup plus restreint comme vous allez pouvoir le voir dans la bible du pneu trail. Il y a beaucoup moins de choix, mais pour autant, on arrive quand même à trouver des pneus qui montent jusqu'à du 60-70% off-road. Donc c'est déjà très très bien en tout cas pour ce type de machine. Bon sinon, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler de pourcentage off-road sans forcément vous expliquer. Qu'est-ce que ça fait en fait de partir sur un pneu 10%, 20%, 50%, 80% off-road? Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir en fonction de mon usage? Eh bien vous allez voir que globalement, c'est assez simple de s'y repérer. Si vous souhaitez vous cantonner à un usage exclusivement routier et ne jamais faire de chemin avec votre trail, que vous voulez juste un pneu qui a un petit look aventurier, eh bien dans ce cas-là, partez sur des pneus 10% off-road. Vous allez voir qu'ils sont exactement au même niveau de performance que des pneus routiers classiques et ils n'apporteront pas forcément de performance supplémentaire en chemin. Donc vraiment là, le but, c'est d'avoir des pneus à performance strictement identique sur des pneus routiers avec un petit look quand même plus sympa que des pneus routiers classiques. Maintenant, on va monter un cran au-dessus en termes de besoin pour le tout-terrain. Donc justement, si vous avez envie de faire un petit peu de chemin de temps en temps avec une petite flaque de boue par-ci par-là sans forcément le gros bourbier et que vous allez faire majoritairement de la route, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'envisager des pneus 20, 30, voire même carrément 40% off-road. C'est des pneus qui vont être tout à fait capables d'offrir des excellentes performances routières tout en offrant un très bon niveau de comportement à votre moto en off-road sur du sec. Le seul moment en fait où ils vont vraiment pêcher, c'est dans des surfaces vraiment glissantes, des surfaces meubles. Donc si vous voulez rouler dans du sable, dans de la grosse bouillasse, là vraiment les pneus 20, 30, 40% off-road ne sont pas du tout prévus pour ça. Pour le reste, par contre, ils sont vraiment très adaptés.
À partir de 50% jusqu'à 80% off-road, là vraiment on attaque le cran sérieux, hein, le gros cran où on va vraiment faire du gros tout-terrain un peu hard avec de la boue, vraiment des terres un peu meubles, des sols vraiment compliqués. Là on va avoir du gros crampon, des trucs qui vont arracher en fait la terre. Et là, bah, plus vous augmentez le pourcentage, plus vous allez diminuer en fait en performance sur route. Donc forcément avec des pneus comme ici qui sont des 80% off-road, ça va quand même être assez glissant on va dire sur des milieux de type pluie. Si vous gazez comme un bourrin, si vous roulez tranquillou, ça va bien se passer. Et quand vous partez sur des pneus 70-80% comme ici, là généralement les gommes vont être beaucoup plus dures. Donc la robustesse du pneu va être très très bonne, notamment si vous roulez beaucoup dans de la caillasse, dans de la roche. Bah le 70-80% c'est bien parce qu'ils vont pas s'user trop vite. J'ai déjà vu des pneus TKC 80 s'user en une sortie de 1000 km parce que le mec était un gros bourrin, un gros professionnel et on roulait dans la caillasse et ça les a littéralement tailladés. Donc vraiment si vous avez un big trail, les 50-60% off-road, faut faire attention, ça a tendance à s'user très très vite. Donc dans ce cas-là, partez peut-être plutôt sur des trucs un peu plus costauds, un peu plus robustes, comme des pneus 70-80% off-road. Donc pour moi, les 50 à 80% off-road, c'est vraiment les pneus les plus emblématiques si vous souhaitez vraiment faire du vrai tout-terrain, tout en ayant quand même des performances sur route supportables. C'est pas non plus excellent pour certains, mais c'est tout à fait gérable et supportable. Donc à vous de voir, en fait, en fonction de votre usage et votre besoin, quels sont les pneus les plus adaptés. Donc une fois encore, n'hésitez pas à regarder la bible du pneu trail que je vous ai mis en descriptif pour voir un petit peu tous les pneus disponibles dans ces pourcentages off-road. Bon, après, au-delà 90% off-road, 95% off-road, là, on est clairement sur des pneus enduro, à peine homologué sur route, hein, c'est vraiment pour le principe. Donc ces pneus là c'est vraiment à réserver pour un usage très spécifique. C'est typiquement si vous faites pratiquement que du off-road avec votre trail et que vous faites pratiquement jamais de route, ça peut tout à fait convenir ce genre de pneus. Par contre, si vous faites beaucoup de route, je vous déconseille clairement d'aller au-delà de 80%. Après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, au moins je pense qu'avec ces informations, ça vous permet de vous situer en fonction de ce que vous avez prévu de faire pour pouvoir choisir le bon niveau de pourcentage off-road et donc le bon type de pneumatique selon votre usage. Avant de conclure cette vidéo, je vous propose de répondre à deux questions qui vont forcément me revenir en commentaire de cette vidéo si je n'y réponds pas maintenant. C'est tout d'abord, quelle est ma monte pneumatique préférée? Eh bien, il faut savoir que j'ai pas spécialement de monte pneumatique préférée. J'ai plutôt un pourcentage off-road de pneus préférés. Et moi, bah, vous l'avez sûrement compris, mes pourcentages de pneus préférés, ce sont les pneus qui sont entre 60 et 80% off-road. Globalement, tous ces pneus-là, j'adore, hein. Il y a vraiment des trucs très très cool à pouvoir faire en tout terrain avec. Ça permet de passer des environnements très compliqués, limite merdiques dans du sable ou dans de la grosse boue. Et ben, ça passe quand même. J'ai mes petits favoris, hein. Par exemple, moi j'aime beaucoup les pneus Mitas, les E09 et les E13. C'est des pneus qui sont hyper agressifs en tout terrain, qui ont une conduite sur route globalement passable et qui sont surtout pas trop chers. Donc moi, comme j'ai tendance à cramer beaucoup de pneus parce que je roule beaucoup, c'est plutôt économique. Et après, bien entendu, j'en ai testé pas mal d'autres, hein, les Scorpion Rally et pas les Scorpion Rally STR. Attention, je t'ai vu toi là-bas dans le fond qui en parle. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Scorpion Rally, ça c'est le STR, ça c'est le Rally. Vous avez vu, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, le Scorpion Rally, lui aussi, c'est un super pneu prévu pour le tout-terrain. On a aussi donc des pneus comme le Anaki Wild qui est assez sympa, le TKC 80. Mais c'est vrai que ces pneus-là, ils ont des gommes très tendres, donc ils ont tendance à s'user assez vite. Donc pour moi qui roule beaucoup, c'est pas forcément le plus adapté. Bref, j'ai pas pu tester tous les pneus du marché entre 60 et 80% off-road, donc c'est pour ça que je vous en parle que quelques-uns, ceux que j'ai pu tester. Je suis pas journaliste, hein, donc j'ai pas pu avoir accès à tous les pneus de la planète, je suis pas invité à toutes les conférences de presse et tout, je suis même invité à aucune. Et donc forcément, j'ai pas le niveau de connaissance d'un professionnel sur le sujet. Mais voilà, les pneus 60-80% off-road, ce sont mes petits favoris. J'aime beaucoup rouler avec ce type de pneumatique. Et la seconde question qui va revenir, j'en suis sûr, c'est bah, Mathieu, qu'est-ce que tu as à conseiller comme bon pneu polyvalent en 50% off-road, 50% route pour pouvoir rouler correctement sur route et pour pouvoir rouler globalement sereinement en tout terrain? Et bien là, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de montes pneumatiques qui sont disponibles, qui sont vraiment très sympas. Donc par exemple, il y a le Mitas E07 hein, qui est juste ici. Donc vous voyez, c'est un pneu avec une bande de roulement centrale qui est vraiment sympa. Donc je suis pas du tout payé par Mitas, je ne suis pas sponsorisé. C'est juste que j'aime bien cette marque parce qu'ils sont pas trop chers. Ils ont pas des performances routières de dingue, mais ça fait très bien le job. Globalement, le Mitas E07, c'est un pneu qui est correct partout. Il est jamais médiocre, il est jamais excellent. Donc c'est l'essence même en fait d'un pneu polyvalent. Dans le même style aussi, qui est vraiment très sympa, bah vous avez le Heidenau K60 Scout, qui est le même principe, qui a une bande de roulement centrale à l'arrière, qui est très correcte pour pouvoir rouler dans tous les environnements, sauf encore une fois pour rouler dans la grosse boue. Je trouve que le K60, il est un petit peu en retrait du Mitas O07. Par contre, il est un petit peu meilleur sur route. Donc à voir ce que vous préférez, plutôt route, plutôt boue. Si vous avez un big trail type 1200 GS, Tiger 1200, etc., bah vous avez aussi la version E07 Plus de ce Mitas qui existe pour pouvoir justement s'adapter à vos grosses largeurs de gommard que vous avez souvent sur l'arrière. Et si vous souhaitez avoir des pneus justement un petit peu plus agressifs en tout terrain, justement pour être un peu plus à l'aise dans la boue, là vous avez aussi des très bons pneus 50-50, voire 40-60. Je pense notamment au Continental TKC 80 qui est très sympa. Les Michelin Anaki Wild aussi qui sont très cool. En tout cas, j'ai vu des très bons retours dessus. J'ai pas encore pu les tester personnellement.
Et enfin, un petit nouveau qui va arriver là très bientôt, c'est le Bridgestone AX41 que j'espère pouvoir tester aussi très bientôt. Donc là aussi, je vous ferai un retour sur le sujet. Mais vraiment, bah, ces trois pneus-là sont quand même beaucoup plus agressifs que des E07 ou des K60 et vous permettront par conséquent d'être plus à l'aise encore en tout terrain avec potentiellement une longévité sur route un peu moindre. En conclusion, c'est quoi le meilleur pneu off-road au final? Eh bien, vous l'avez compris, il n'y a pas de meilleur pneu off-road. Il y a un meilleur pneu en fonction de chaque usage. Choisir un pneu pour son trail, c'est tout d'abord se poser les bonnes questions, cocher les cases en fait pour voir exactement ce qu'on a prévu de faire en termes d'utilisation et ensuite bah, regarder le pourcentage off-road correspondant en fonction de son usage. Donc normalement, avec cette vidéo, je pense que vous avez dû pouvoir comprendre quel type de pourcentage off-road il fallait en fonction de votre usage. Donc listez-vous un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous avez projeté de faire. Est-ce que vous avez prévu de faire que de la route? Vous avez prévu de faire un petit peu de chemin sec? Vous avez envie de faire un peu de boue? Vous allez rouler dans le sable? Vous allez rouler surtout dans de la caillasse? Bref, posez-vous toutes les bonnes questions pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision et ensuite discuter avec des gens qui potentiellement ont le même profil d'utilisation. Donc quand vous demandez un retour d'expérience sur un pneu tout terrain, pensez à préciser votre contexte d'usage à ces personnes afin de voir si ça correspond. Parce que typiquement, entre un mec qui habite dans le plat pays et quelqu'un qui habite à la montagne, forcément, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes retours d'utilisation. Tout comme quelqu'un qui fait du off-road dans le nord avec de la boue et quelqu'un qui fait du off-road dans le sud avec plein de caillasses, forcément, les retours seront là aussi très différents. Voilà, je pense que maintenant j'ai fait le tour du sujet. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, que ça va vous aider à cogiter en fait pour pouvoir faire le bon choix. N'hésitez pas à regarder la Bible du pneu trail, hein, je vous la mets dans le descriptif. Je vous la mets ici aussi en lien pour pouvoir la consulter, comme ça vous pourrez voir un petit peu tous les pneus qui existent sur le marché. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !